Je vous propose un nouveau tutoriel sur CLPay Evolution 2017 sur la personnalisation du bulletin de paye. L'objectif de ce tutoriel est de bien vous apprendre à renseigner et rajouter des champs supplémentaires que éventuellement votre convention collective demande, comme notamment par exemple des indices. Voilà, donc en fait c'est vraiment très intéressant puisque effectivement vous allez pouvoir, un peu comme en gestion commerciale, personnaliser le bulletin de paye à votre société. Alors, dans un premier temps, il y a une particularité pour vraiment faire apparaître, vous voyez l'option ici, générateur de documents, qui est grisée. Il faut être donc dans bulletin de paye. Et lorsque vous êtes dans bulletin de paye, quand on revient dans le menu dossier, vous voyez, il y a générateur de documents. Alors, on va voir déjà aussi une option qui est très intéressante, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un bulletin de paye, quand vous faites aperçu, vous avez toute la liste, ce qui est vraiment fastidieux. Déjà, on va voir comment éventuellement ne faire apparaître que le modèle qui vous intéresse. Donc, dans ce cas-là, il faut, quand vous êtes dans dossier générateur de documents, ici, en fait, il faut décocher tous les modèles que vous ne voulez pas faire apparaître. Et à partir de là, dans l'aperçu, il ne fera apparaître que celui qui est coché. Donc nous, on va le faire après. Par exemple, on va dire que le modèle papier blanc, ça va être notre bulletin modèle que l'on va modifier pour donc spécifier certains champs. Donc on sélectionne un modèle, on fait dupliquer. Donc là, je vais l'appeler bulletin démo, par exemple. Voilà. Donc là, je fais OK. Donc lui, il le rajoute dans la liste. Ensuite, je fais éditer. Et là, donc, vous voyez ici, je lui dis, je veux bien éditer la fiche sélectionnée. Donc là, je vais faire OK. Voilà. Donc là, je suis vraiment dans l'éditeur du bulletin de paye. Vous voyez? Voilà. Alors, moi, je vais surtout vous montrer comment rajouter des champs. Voilà, puisque normalement, effectivement, en principe, on rentre vraiment dans le paramétrage du bulletin de paye plus pour modifier ce genre de choses. Donc, ici, vous avez un bouton, voilà, qui s'appelle Créer un objet de type champ. Donc, je clique dessus. Et moi, maintenant, je vais rajouter le niveau. Donc, je vais me mettre ici. Je vais donc délimiter déjà la zone à laquelle je veux ajouter le champ, et ensuite donc il me met bulletin code. Donc moi, puisque ça l'information ne fait pas partie du bulletin mais de la fiche salariée, je clique une fois dessus, je fais bouton droit et là je vais faire propriété. Voilà, donc là il me propose la liste de toutes les tables, ils appellent ça fichier mais en fait ce sont toutes les tables, et là les champs. Donc moi, comme c'est une zone de la fiche salariée qui m'intéresse, je vais d'abord cliquer sur salarié et ensuite ici, eh bien, je vais aller chercher le champ qui m'intéresse, qui s'appelle niveau. Voilà, donc il est ici. Je fais OK. Et maintenant, je vais faire comme ici, mettre un petit champ texte. Donc là, je clique sur le A. Je vais délimiter ici. Alors, je vais faire comme coef. Voilà, je vais mettre Niv. Voilà. Alors là, je clique dessus. Je fais bouton droit. Propriété. En fait, il faut tout le temps faire propriété. Et là, en fait, vous voyez dans le texte ici. Je vais mettre Niv. Voilà. Et en fait, ici, voilà, c'est ici où en fait on peut mettre du gras, de la couleur, changer la police. Voilà. Donc là, je fais OK. Donc lui, il va le mettre à jour, vous allez voir. Voilà. Donc là, il me l'a bien mis à jour. Maintenant, je fais OK. Je fais fermer. Et maintenant, ce que je vais faire, alors, pour vous montrer en fait que je ne veux maintenant que liste bulletin démo, je vais décocher. Comme ça, moi, ce qui est bien, c'est que. En fait, ça c'est pratique aussi. Alors, vous voyez, vous ne perdez jamais rien, puisque à tout moment, vous pouvez recocher pour refaire apparaître tous ces bulletins de la liste. Mais là, moi, je dis, ben, moi, je ne veux apparaître que bulletin démo. Et maintenant, alors, il faut aller sur un salarié, donc comme celui-ci, où j'avais mis le niveau. Quand on fait aperçu, voilà, c'est intéressant, on n'a que ce bulletin-là. Voilà, et là, vous voyez, j'ai bien mon niveau. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, c'est relativement souple à mettre en place hein, via le générateur d'étapes pour eh bien, personnaliser votre bulletin de paye en fonction des informations qui sont demandées dans votre convention collective.